Salut tout le monde, c'est Polo, bienvenue dans notre cinquième partie sur Paul World. Dans le seul moment de continuer notre aventure dans ce jeu magnifique, je vous souhaite la bienvenue dans ma super ferme magique où ce que mes petits bonhommes travaillent à longueur de journée pour faire en sorte que je devienne riche, n'est-ce pas magnifique? Mais là, je suis sur le point de virer ce mec-là parce qu'il est super lent. Regardez ça, ces petits fainéants, juste parce que je le paye 5 sous de l'heure. Oh le maudit, il a demandé une augmentation de 2 sous et j'ai refusé. Puis là, il est fâché, mais bon, en tout cas, je tiens à vous dire que j'ai joué hors vidéo et comme d'habitude, ce que j'ai fait, je suis allé dans les endroits qu'on a déjà explorés ici et j'ai attraper les pales qu'on a déjà vu auparavant. Par exemple, si on va dans le pal d'Ex, j'ai capturé 10 bonhommes qui s'appellent Fouac. Regardez en bas à droite, 10 sur 10. J'ai pogné 10 Parkit, les 10 Tandy, ouais, je les ai pognés, 10 Joltog. J'ai fait la même chose pour tous les pales qu'on a obtenus la dernière fois. À part lui, là. J'ai pas réussi à le trouver, malheureusement. Il habite... Ok, il habite ici, c'est parce que je ne me suis pas promené beaucoup là, mais bon, en tout cas, je les ai capturés à longueur de journée, c'est tout ce que je voulais vous dire. Alors ne vous en faites pas, j'ai pas fait quoi que ce soit de nouveau, j'ai juste fait des trucs qu'on a fait auparavant. Alors ici, vous pouvez voir tous les pales qu'on a en ce moment, je sais pas si je devrais en jeter plus tard là, mais j'espère que non, il y a encore beaucoup de place dans mon inventaire, mais plutôt dans ma boîte. Et là, ce qu'on va faire, c'est mettre des points par-ci par-là, parce que moi j'ai mis 0 point nulle part. Alors pour le poids, 600, je crois que c'est assez. Vitesse de travail, je crois que je vais en mettre 2. Ouais, comme ça. Et ensuite, un peu plus d'endurance. Comme ça, je peux courir plus et faire plus d'attaques. Comme ça. Je crois que c'est Tigidou confirmé. Ensuite, nous allons dans la section technologie. J'ai pas regardé ce qu'on peut confectionner ici. Alors, je sais pas. Regardez ça, vite fait, bien fait. On va les construire. Let's go. J'ai remplacé un feu de camp qu'il y avait ici par une marmite qui cuit de la bouffe à longueur de journée. J'espère que ça va pas pourrir, voyons donc. Alors regardez ce que je peux confectionner. Des pancakes, des gâteaux, soupe aux champignons. Oh my god. Rôti j'arrive même pas à lire ça là, mais pauvre le dude qui travaille là-bas. Il croit que je vais le cuire dans quelques instants ici, mais il y a tellement de trucs que je peux confectionner. Mais pourquoi pas grain de capriti. Ça a l'air intéressant cette affaire-là. Attendez, regardez comment je suis là-bas. Qui veut manger? Personne veut manger? Mais moi, je vais manger. Donc, si je fais ça comme ça... Oh my god, je suis rassasié au max. This is so good, les brothers. Yo, Martin, j'ai besoin de toi, voyons donc. T'as pas besoin de clasher ici. Il y a déjà un doute qui clash. Voyons donc. Alors là, donnez-moi une seconde. Je me suis confectionné un congélateur juste là, mais c'est écrit requis réfrigération. Alors là, j'ai mis le congélateur ici en pensant que ça allait s'activer et puis ça allait marcher sur ça. Mais on dirait que non. Et en plus, je croyais qu'en prenant ce bonhomme, je pouvais utiliser la réfrigération sur ces deux trucs en même temps, mais on dirait que non non plus. Alors si je fais ça comme ça, ça a l'air de quoi? Ok, c'est bon, donc si on reste ici, on se protège du chaud. Je crois que c'est ça. J'espère que la boîte à outils et la fontaine ne sont pas trop lourdes pour mon toit. Je veux pas que ça se pète, c'est quand même ma maison. Alors lui là, le Fox Sparks, il est toujours en pause parce qu'il est en train de travailler là-bas pour allumer ceci et travailler ici pour faire en sorte que j'ai des charbons de bois, des lingots de fer par-ci par-là. Ben, lingots de métaux, whatever. Donc, vous savez quoi? Ce truc-là est totalement inutile. Je vais le détruire, donnez-moi une seconde. Donc, démantèlement. Voilà, même chose pour le congélateur. Ça là, ben, ce sont des trucs que je dois installer si je suis dans des environnements qui ne sont pas, disons, propices aux humains, si je peux dire ça comme ça. Donc, pour l'instant, tout est tigidou. Le truc, je voudrais confectionner la marmite, mais j'ai pas assez d'organes d'allumage. Il faut que j'aille détruire des Fox Sparks, je pense. Et ici, j'ai pas assez de belles fleurs. En fait, j'en ai zéro. Pas assez de ciment, pas assez de textile pour ça, malheureusement. Textile, je sais pas si je peux en confectionner ici. Pour l'instant, je vois pas ça là, mais bon, je vais confectionner autre chose. On y va. Alright, les potes, j'ai confectionné tout ce que j'avais à confectionner. Troupeau de pales sauvages féroces. Où ça? Oh mon dieu, ils veulent me horrer, les amis. Je peux les capturer aussi. Ok, attendez une seconde. Je vais prendre méga sphère ici. Je vais les capturer dans quelques instants. On attend! Les potos. Ok, attendez. Come on, guys. Ding, 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 ding. Ouais, mon avatar est en train de me regarder crash parce que j'ai complètement foiré mon coup tout à l'heure. Il y avait tellement de nouveaux pales à capturer, mais c'est pas grave. Le monde est vaste. Regardez ça. Je peux les retrouver ailleurs et... Vous êtes en train de... Pourquoi vous êtes en train de le brutaliser? Je sais qu'il faisait pas partie de l'entrée, mais quand même. Il voulait peut-être juste se joindre... Bande de fous. En tout cas, regardez ceci. Nous avons une armure en métal réfrigérante que je viens de confectionner qui donne 105 défense et 250 PV. C'est beaucoup plus que ceci que j'avais auparavant. Alors, on va le mettre. Donnez-moi une seconde.
Waouh, ok, je suis super beau. Oh, et attends, et home ou home metal, whatever, ça donne des défenses et PV. On va le mettre sur notre tête, ça paraît pas là, mais bon. Alors, j'ai une matraque électrique ici, qui fait pas beaucoup de dégâts comparé à ma lance, mais je peux paralyser le monde. Alors, je vais l'équiper comme ça, et je peux détruire le monde. Il y avait quoi d'autre? Je crois pas qu'il y a quoi que ce soit d'autre ici, hein. Bon, alright. Aussi, j'ai pas confectionné une tonne de trucs. Tout ce que j'ai pu confectionner depuis la dernière fois, je crois que c'est cet établi d'armes. Mais là, je peux pas confectionner depuis sur la rouillée. Il me faut des huiles de pâle de qualité que je sais même pas où pogner. Même chose pour ce fusil à mousquet. Les lingots de métal, je sais où pogner ça, mais l'affaire de l'huile à pâle, là, I don't know, bro. Respirez-moi cet affaire, les amis. Ah, ça fait du bien, n'est-ce pas? On va partir à l'aventure! Alors, la dernière fois, on a exploré cette région ici. Cette fois-ci, je vais aller ici pour voir qu'est-ce qu'il y a là. Peut-être qu'il y a des trucs intéressants, on sait jamais. Puis, il y a lui là que j'ai envie de capturer juste pour le plaisir. Mais avant tout, donnez-moi une seconde. Lui, il doit se faire détruire! Rushock! Comme ça, je peux avoir organe d'allumage et j'en ai seulement pogné un. Alors, il faut que je tue un tonne de Fox Sparks à longueur de journée juste pour avoir ce que je veux. Oh, regardez-moi cet éléphant. Il est tellement cute. Oh là, mais qu'est-ce qui se passe ici, toi? Et lui, c'est un nouveau bonhomme que j'ai jamais capturé. Merci, Dodaihon, de m'avoir aidé. Regardez ça, il va faire partie de mon équipe. Mais en attendant, là, je vais détruire ce bonhomme-là. Attendez. Donc, Floppy. Le Floppy apprécie les lieux avec beaucoup de végétation malgré le rhume des foins qui semble le frapper ces derniers temps. Ouais, pauvre lui. Et en fin de compte, je vais partir d'ici. J'ai déjà capturé 10 Die Hall, voyons donc. Nous avons comme un gros problème, les amis. Regardez où je suis en ce moment. Dans l'endroit où il devrait avoir le chilet, juste à côté de moi. Mais il est nulle part. Ok, alright. Il est parti en vacances ou quoi? Un autre Pokémon l'a détruit? Je veux dire, un autre pal. Il faut pas dire Pokémon, my bad. Ça fait pour vous, je vais faire raid. Je peux pas passer. Il est trop gros, le dude, man. Ah, en fait, c'est juste la grande muraille de Chine, il n'y avait rien d'autre, ma bad. À moins qu'il y avait vraiment un château ici, mais c'est complètement détruit parce que les pâles ont fait leur job et puis ils veulent que... Oh! Mère nature, reprenne le dessus! Mais on dirait que non! Regardez ça! Je peux me téléporter ici après, ça va être super magnifique. Donc, plaf! Perfecto! Alors, il y a un truc de voyage rapide ici, d'accord. On va continuer à aller vers le nord-est. Pas le temps de niaiser. Regardez ça, les photos, j'ai trouvé un petit Bambi. Oh mon dieu! Non, attendez. Regardez. Non, attendez. Je suis trompé de bouton. Voilà ce que je vais utiliser. Lui, là. Attends, n'attaquez pas. Tranquilo, relaxo. Le petit Bambi, là, il m'appartient à le dude, man. Ruby, les rubis sauvages ne tombent jamais malades. Consommer un morceau de charbon par jour obtenu en brûlant une branche est le secret de sa santé de fer. Ouais. Alors là, je suis rendu à la plage. Je suis ici. 4S. Il y a un boss qui devrait se retrouver ici. Puis, oh, je peux aller chercher ça aussi. Mais, gros problème, j'ai pas vu de boss. Oh là 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 là, un mamoret juste là, niveau 32. Je sais pas si je peux le capturer. Est-ce que je tente de coup? Ça quoi? YOLO, man. Attaquez les brebis, allez-y, les amis! Attendez, moi aussi, j'ai quelque chose pour attaquer ce mec-là. Ouais, vous savez quoi? Je crois que je devrais juste abandonner. Regardez les petits dégâts qu'on est en train d'infliger. Enfin, on inflige beaucoup de dégâts. On tente du coup, retourne à l'attaque! 0% de capture. Ok, si j'utilise ici, 0.03. D'accord, et ça? 0.22. Même la gigasphère est inutile! Vous savez quoi? Moi, je m'en vais d'ici, man! Une chance qu'on peut se téléporter, parce que si on pouvait pas le faire, là, j'allais me faire détruire. Oh boy! Alors, il faut que je mette ce bonhomme-là et ce bonhomme-là pour qu'il se guérisse. Lui, il y en a pas besoin. Alors, je vais le garder. Alors, pour l'instant, je vais prendre deux nouveaux dudes avec moi et puis les amener dans mon équipe. Comme le, je sais pas, le Rushcraw. Mais ils sont tellement bas en termes de niveau, ces mecs-là! Ah, yo, Die Hall. Ok, lui, je vais le prendre, les amis. Et, pourquoi pas le Ruby. Ou, Floppy. Je vais prendre le Ruby, juste pour le plaisir, là. Mais bon, on retourne à l'aventure. Domaine de l'intrépide. Je sais pas si je vais y aller, puis je crois que c'est là-dedans que je vais voir le 4S. Oh, et en plus, j'ai fait, attendez, je dois manger une petite omelette. Ah, thank you very much. Et lui aussi, il a besoin de manger, voyons donc. My God, qu'il mange beaucoup. Alors, je sais pas si je peux le détruire avec mon équipe, mais... Ouh! Est-ce que je... Vous savez quoi? YOLO, man! Leaf Monk, à toi de jouer! Viens ici, frère. Hola! Ouh, ça fait quasiment pas de dégâts, les amis. My Jesus. Ok, non, this is not good. Leaf Monk, reviens à la maison, je vais t'utiliser après. Je sais pas pourquoi j'ai amené un Ruby ici. Wow!
Ouais, c'est GG. Die Hall! Attends, jouer! Je m'attendais pas à ça, les photos. My God. Ok, attendez une seconde. Oh, ben, oh non! Électrifié! Électrifié! Ouais, ma petite matraque là. Ça marche quand même bien. Est-ce que je peux te stun à longueur de journée? Ouais, ça marche juste quelques fois. Ça va mal, mon affaire. Les amis, je crois qu'on peut le faire. Donnez-moi une seconde. Oh, non, non, non. Ah! Donc, calme, bro. Ok, attendez une seconde. N'attaquez pas. Parce que là. Ouh, encore un autre coup et puis. Attendez. Voilà. Est-ce que je peux te capturer maintenant? Oh my god, 15% de chance de capture même avec la gigasphère. C'est la meilleure balle que j'ai avec moi en ce moment. Ok, please. Yes! On a capturé un boss! Première défaite de boss, maintenant gigantique, nice! Oh! 4S, manipule le pouvoir de l'ombre pour lancer de mystérieux sorts. Il mange tout et n'importe quoi, j'ai pas pu lire le reste, mais je suis content. On a capturé un boss pour la première fois, oui! Je me suis tellement battu longtemps que c'est le soir et puis je suis en train de crever de froid. Mais ce n'est pas grave parce que j'ai ceci. Attends, j'ai ceci. Voilà, ça me protège du froid. Alors là, vous le savez déjà, Tonton Polo rentre à la maison parce que tous mes pales sont dead. Regardez ça, ils ont zéro vie, voyons donc. J'ai juste un bonhomme qui est vivant là. Faut que je rentre à la maison, faut que j'aille mettre du monde dans la boîte comme ça, ils se guérissent. Et puis, j'ai un boss à aller chercher, le mettre dans mon équipe. Hein? Alors, donnez-moi une seconde, on va le faire ici. Alors, mes pales, niveau 18, il était comme niveau 3, 4, ce mec-là. Et lui, il était niveau 10, il est niveau 18. Ils ont tellement level up, ce mec-là, c'est crazy, man. Ok, c'est bon. Donc, le dude, où est-ce qu'il se retrouve? Hein? Ah, ici. En plus, je vois le signe de boss. Oh my god. Bienvenue dans l'équipe, mon frère. Ça va être génial, man. Je crois que je vais attendre dans ma base pendant 10 minutes pour que mes pales se guérissent. Comme ça, je peux les amener à l'aventure. Alors, je tiens à vous dire que j'ai pogné des trucs intéressants. Pièce d'une ancienne civilisation. Ça, là, c'est ce que j'ai besoin pour confectionner des trucs que je voulais dans le temps. Comme le méga bouclier. Mais j'en ai pas assez. Il m'en faut 50 tours. Alors, il faut que je détruise beaucoup de boss. Poil précieux. Je sais pas ce que je vais faire avec ça. Poil de 4S. Je sais pas non plus ce que je vais faire avec ça. C'est cryptisé dans la confection d'habits. Sûrement pour des habits rares là, mais pour l'instant je vais les ranger là. Alors là, qu'est-ce que je peux faire? Ah oui, c'est vrai, j'ai monté de niveau, donc renforcement de statut. Ce que je veux là, c'est plus d'endurance, comme ça je peux courir comme un fou. Je crois que j'en ai vraiment besoin. Alors dans la section technologie, on a débloqué des nouveaux trucs. Regardez ça, ici, terrasphère. Je crois que je vais le prendre là parce que là, tout à l'heure, là, j'avais seulement 15% de réussite pour capturer un boss avec la gigasphère. Je crois que c'est bon. Mais là, il me faut du ciment et des lingots de métal. Ça va être dur. Chaîne de production de sphères. Permet de produire des sphères de pales plus rapidement. Un pal avec la capacité de travaux manuels est requis pour l'exploiter. Ouais, il me faut 100 lingots de métal. Je vais garder mes points pour l'instant, je crois que ouais, je vais les utiliser plus tard. Peut-être que j'en aurai besoin dans le futur. Mais j'ai des points technologiques quantiques que je peux dépenser ici. Dans l'incubateur pour faire éclore des œufs. Petit sac de nourriture pour avoir de la bouffe avec moi. Mais ce qui m'intéresse, c'est le pistolet grappin qui permet de me promener partout et puis ça utilise seulement 10 lingots de métal. C'est tout ce que j'ai besoin. Alright! Attendez une seconde, dépression! Mais qu'est-ce qui se passe, ce mec-là, là? Ok, yo, attendez. Ok, ça marche pas mon affaire, j'essaie de l'électrocuter. Non! Oh, oh, ok, attendez une seconde. N'attaquez pas, n'attaquez pas. Guys. Voilà, ok, je vais tenter de le capturer. Je sais pas qui fait ça là, ma belle maison là, mais... Attends, le doute? Il est dead en haut. Really guys, est-ce que vous êtes sérieux? Aïe, ces petits bonhommes, pourquoi ils ont fait ça, voyons? Mais bon, j'ai mon petit pistolet, et puis, il y a des petits dépressions là-bas. Je vais les capturer, toi là, je te dis, n'attaque pas, brother, je vais les électrocuter, regardez ça. Pika, pika! Attends, pika! Tchou! Tchou! Ha, 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 ha! Toi aussi, je vais te capturer, mon petit Martinez! Pika, pika! Oh, oh, attendez! Pika, tchou! Voilà! Son regard méchant fait qu'il a peu d'amis malgré son grand cœur. Il a été observé en train d'offrir de la nourriture à Vixie, séparée de son troupeau. Oh, ce gentil bonhomme! Et on l'a détruit, lui et son ami, dans ma base! Oh, ça fait mal au cœur! Ah oui, c'est vrai, j'ai complètement oublié de faire quelque chose! Renforcer ses capacités, j'ai 6 trucs comme ça, voilà! Donc, je l'utilise! Voilà, perfecto! Il me faut encore 7 trucs comme ça pour augmenter ma force de capture. Ok, je me promène un petit peu plus. Et là, je crois que mes pales, ils sont vivants, hein? Ça fait 10 minutes que je suis là, alors.
Voilà, perfecto. Alors, lui, je vais le prendre pour le chevaucher. Lui, pour utiliser son gun. Les autres, je vais pas les utiliser, malheureusement, parce que là, j'ai un boss ici. Et j'ai un mini Pikachu ici que je veux garder avec moi. Mais bon, on continue notre aventure. Alors, lui, est-ce qu'il peut respawn? C'est écrit vaincu, mais ne me dites pas qu'on peut juste le capturer une fois. Même chose pour lui, et même chose pour lui. Non, ouais, hein. Regardez ça, le portail est encore là, alors... Peut-être que je peux retourner ici, on sait jamais. Donc, attends, domaine de l'intrépide, jusqu'à résurrection du boss, 43 minutes. Oh, alors chaque une heure, il réapparaît, alors je peux le capturer 10 fois. Alors, est-ce que c'est la même chose pour ce boss-là et ce boss-là? Oh, j'espère que oui, mais bon, pour l'instant, je vais me promener ici et voir ce qu'on peut retrouver. Yo, peut-être que ce bonhomme peut me donner des graines de blé. Ok, ouais, toi, t'as abusé, mon frère. Graine de baie. Ok, c'est pas la même chose qu'une graine de baie, cette affaire-là. Ouais, depuis tout à l'heure, là, je suis en train de détruire tous les pales que je vois passer par là. Et là, j'ai beaucoup de viande. Regarde ça. Viande de rocher, viande de chiquipi, viande de lambagne. Je vais ramener ça chez moi, mettre ça dans le congélateur et je pourrais les utiliser dans le futur. Mais je peux pas avoir de viande de cativa. Ouais, ça marche pas, hein. Voilà, je voulais l'utiliser une fois, mais il y a zéro son. C'était trop bizarre. Au moins, un petit pshh. Hey, zéro son, c'est crazy. Yo, mon frère, t'es en train de camper ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Parlez! Victime apparue et dit: allez, je ne peux pas rester ici! Je suis fait attaquer par un horripal géant! Ses dents acérées découpent la chair humaine comme du beurre. Oh, what the hell? On doit capturer des pales et monter un camp avant la tombée de la nuit. On n'a aucune chance de s'en sortir dans le noir. Pas le choix! On va faire feu, se cacher et prier jusqu'au matin. En faisant un feu, t'attires les pales, non? Tenez, en espérant que ça vous serve. Si vous arrivez à survivre, quittez cette île. Éclat de pales géant. Tu parlais de lui tout à l'heure, quoi, mec. Ok, ça a l'air que t'as pas vraiment peur, mon frère. Donc, j'active ceci. En ce moment-là, je suis là. J'ai exploré tous les environs ici. Il n'y a rien de nouveau, il y a juste des pales que j'ai déjà vues auparavant, alors ouais. Je crois que je vais partir d'ici, les potos. Ah ben lui, il a l'air d'être un marchand, hein. En fait, ils sont deux. Ok, Mr. Blue, what's up? Donc, salut, j'ai des pales de trans en stock. Je te rassure tout de suite, tout est légal ici. Je vais acheter. On peut acheter les pales. Oh my god. Yo, ça coûte cher. J'ai 5411 pales world money. Mais là, je suis pas prêt à payer. Non, non, non. C'est lui qui coûte 1900. Cela veut dire que lui, je peux le trouver partout. Le Toco Toco, le Loop Moon. Je suis sûr que je peux le retrouver partout. Au pire, je sais où revenir pour pouvoir aller les chercher. Et lui, ici. J'ai des objets intéressants en stock. Ok, les bonhommes rouges, c'est pour des objets. Les bonhommes bleus, c'est pour des pales. Alors, graines de blé. Yo, je suis prêt à acheter ça. C'est sûrement un gaspillage d'argent, mais je suis prêt à acheter ça. Comme ça, je peux améliorer ma base. Organes d'allumage. Non, pas besoin. Je sais qui allait détruire pour aller les obtenir, mais il y a beaucoup de plans ici. Hein? Oh, je sais pas si je devrais les acheter. Selon vous, est-ce que je devrais le faire? Ouais, est-ce que je peux mettre un marqueur ici? Attendez, marqueur. Alors là, on va mettre une étoile ici. Comme ça, je me rappelle où aller pour aller les voir. N'est-ce pas magnifique? Je vous reçois la bienvenue dans ma belle base, les amis. What the hell? Mais qu'est-ce que... Ne me demandez pas qu'est-ce qui se passe. I don't know, les badass. Alors, je suis revenu ici pour faire en sorte qu'il y ait une plantation de blé. Comme ça, je peux faire plein de trucs intéressants, mais c'est tellement gros que... Ouais, je veux pas le mettre croche comme ça, c'est dégueulasse, no way. Ce que je vais faire, c'est le mettre ici. Ouais, je sais que c'est vraiment du n'importe quoi, mais c'est une base temporaire. Lorsque j'aurai débloqué tous les trucs que je peux confectionner, là, je vais faire une vraie base. Et puis ouais, pourquoi je suis revenu ici? Parce que j'ai exploré les environs ici, il y a littéralement rien d'intéressant. Mais peut-être que je devrais aller là pour voir s'il y a des trucs intéressants, mais... Je sais pas, je vais attendre, peut-être une autre fois. J'ai un petit Goumos qui est en train de semencer ce terrain, mais il est nulle part, il est en haut là-bas. Et attends, il peut le faire de là-bas? C'est un boss, ce mec-là, c'est insane, oui. Alors là, je peux améliorer ma base, je pense, pardon. Voilà, améliorer le corps, n'est-ce pas magnifique? Donc, construire établi pour armes, let's go. Donc, construire lit pour pales moelleux et déployer des pales actifs sur le camp. Lit pour pales moelleux, j'ai pas débloqué ça, mais une chance que j'ai encore 7 points de compétences, 7 points technologiques, parce que maintenant je peux le débloquer, c'est ici. Ah, ça utilise beaucoup de tissu. Mais c'est pas grave, je peux encore fonctionner une tonne si je me rappelle bien, regardez ça. Donc si je vais ici, tissu, et là, oh c'est vrai le ciment, je peux confectionner une tonne de ciment maintenant. Au début j'avais seulement 3 filets de pales, maintenant j'en ai 7, mais bon, ce sera pour une autre fois. Alors, je crois que je vais faire ça.
Comme... Ah! Je sais pas, lis-moi-le, là, ça coûte cher. Je vais en confectionner 20. Ah, 2. Pas 20, voyons donc. S'ils sont trop confortables, là, ils vont passer leur temps à glander. Regardez ça, il est venu m'aider pour pouvoir aller faire dodo. Fangirl en manque d'amour. Prêt? Oh, non! T'as des secondes, ce que j'ai oublié de faire aussi, là. Mets de la bouffe ici. Parce que là, je veux pas que ça expire. Moi, j'ai besoin de cuisiner dans le futur. Alors, où sont les fangirls? Ils sont tellement loin. Alors, on va se défendre. Holy what, je m'attendais pas à ça. C'est pas des fangirls, ça. Oh, ben, bon, bon. J'étais là. Attendez une seconde. Je vais en capturer un. Je vais changer de babal. Je vais prendre Giga. J'aurais dû faire en sorte que ces bonhommes-là attaquent personne. Oh my god. What the hell, ce sont des fangirls. J'espère que je peux les capturer à un moment donné. Et oh, il y en a encore un autre là-bas. Ou je devrais dire une autre là-bas. Je suis tellement content que tu sois coincé là. Attendez. Voilà, je crois que comme ça, c'est perfecto. Prof! Parfait. Ok, non, ça c'est un joli bug que j'ai adoré. Parce que grâce à ça, je peux avoir une fangirl avec moi maintenant. Lovender court toujours après quelqu'un à la recherche d'une amourette. S'il ne s'intéressait au départ qu'on parle, il a récemment étendu ses mains démoniaques aux humains. Ok. Je dois vous dire que ce pal est super intéressant, regardez ça, il utilise seulement un bras pour péter les roches qui sont là. Tandis que lui, là, il utilise ses deux bras. Et en plus, il est fatigué rapidement. Hein? Oh, j'aurais jamais dû dire ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas manger les poulets, j'espère. Ah, ok. On dirait que t'as une main dominante, mon ami. Alors, donnez-moi une seconde, il faut que je déploie des pales ici, parce que je veux que ces bonhommes travaillent. Alors, je sais même pas qui mettre pour être honnête avec vous. Je crois que je vais mettre ce bonhomme, et je vais mettre ce bonhomme. Je sais pas, le petit chat va travailler dans la ferme, mais est-ce qu'il va me donner de la laine? I don't know. Donc, on va améliorer le camp juste là. Construire une chaîne de production de sphères, construire un générateur. Ouais, attendez, le générateur, est-ce que je peux le confectionner? Si j'ai pas vu de générateur. Attends, chaîne de production, c'est là. Chaîne de production de sphère, c'est là, en fait. Mais là, générateur... Ah, il est là, mais il me faut des organes d'alimentation. Il faut que j'aille détruire des pales électriques. Ok. Bon, vous savez quoi? On va prendre une petite pause ici et on va continuer ça la prochaine fois. Alors, mes chers potos, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois, c'est-à-dire... Après-demain, je pense. Je voudrais bien jouer à ce jeu demain, mais le truc, c'est que faut que je passe une tonne d'heures à jouer hors vidéo afin d'aller chercher une tonne de matériaux, afin d'aller détruire une tonne de pales pour aller chercher leurs organes passés par là, parce que là, il m'en manque, donc... Et aussi capturer des pales qu'on a déjà capturées 10 fois. Ouais, j'ai beaucoup de choses à faire, oui? Si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel, me suivre sur les réseaux sociaux, blabla. Thank you very much for the support, amigo. Et surtout, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye!